évident au départ. Et justement, si nous avons atteint ces résultats, c'est parce qu'il y a eu en amont un très gros travail qui a été fait. Et dans tout ce qui a été fait pour que nous en soyons là aujourd'hui, le président Blaise Compaoré, le Burkina Faso, le peuple frère du Burkina Faso, ont fait énormément. Leur soutien ne s'est jamais démenti tout au long de ces mois tragiques que nous avons traversés au Mali. Et je suis donc venu apporter des témoignages de la reconnaissance et toute la gratitude du peuple malien vis-à-vis du peuple frère burkinabé. Et je suis venu également remercier le président Blaise Compaoré, qui était le médiateur de la CEDEAO et qui, malgré toutes les embûches qui étaient dans son parcours, dans son chemin, a réussi à aboutir à l'accord préliminaire de Ouagadougou, qui a été également un grand apport dans le succès de cette élection présidentielle. Comme vous le savez, c'est une élection qui marque le début du retour à une vie constitutionnelle normale et qui marque bien entendu la fin de la transition que j'ai eu l'honneur de conduire jusqu'à présent. Et après le recouvrement de la totalité de notre territoire, après cette élection présidentielle, je pense que nous pouvons regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et cela, nous le devons en grande partie au président Compaoré et au peuple burkinabé. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission accomplie pour vous? Oui, je pense que non seulement on peut le dire, mais on doit même le dire, que c'est une mission accomplie pour moi, bien accomplie. Maintenant, les vrais problèmes vont commencer. Et je pense que ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était de préparer les conditions pour que le peuple malien, désormais debout, reprendre son chemin pour sa démocratie, pour sa paix, pour son développement. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire pourquoi le capitaine Sanogo a été promu au grade de général? Bon, je pourrais vous poser la question. Pourquoi ne serait-il pas promu au grade de général? Le capitaine Sanogo, c'est un militaire malien, c'est un officier malien. Et il n'est pas le seul à avoir été promu au grade de général. Il y a lui, capitaine Sanogo, qui a été promu. Il y a également celui qui était sur le théâtre des opérations, Didier Dako. Il y a aussi celui qui a eu, en tant que ministre de l'administration territoriale, à organiser et à réussir ces élections dont nous venons de parler. Moi, je ne vois pas pourquoi on focalise sur le capitaine Sanogo, qui est et demeure un citoyen malien, avec tous les droits et tous les devoirs. Je crois qu'il y a des pages qu'il faut savoir tourner. Au Mali, désormais, nous sommes entrés dans une phase de réconciliation, une phase de pardon. Et je crois que les uns et les autres nous aideraient beaucoup en ne cherchant pas toujours à aller chercher des problèmes là où il n'y en a plus. Le capitaine Sanogo et ses compagnons, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont présenté leurs excuses, ils ont demandé pardon au peuple malien. Et je crois qu'en Afrique, nous sommes aussi des peuples qui savent pardonner. Merci. Merci.